soirée. Attention, Ce j'ai n'est toujours pas le travaillé plus ou moins au moins mariage aussi en qui solitaire, donc je n'ai pas de sera le thème collaborateur de de. la soirée. Jean-Pierre subit une petite intervention chirurgicale à la fin du mois d'août. Une intervention grenoble, parce qu'on lui a remplacé un œil pour une opération de la cataracte. L'opération s'est très bien déroulée pour le premier œil et il est en convalescence. Je suis sûr qu'il est en train de nous observer sur la chaîne YouTube. Donc, je suis Thierry Midavel, un des animateurs bénévoles de la Société astronomique de France. Et donc, comme à l'habitude, Jean-Pierre nous a préparé une petite introduction pour permettre aux derniers arrivants de se mettre en place. Et ensuite, on aura la présentation de Jean-Pierre Luminet avec une remise de médaille au préalable avec notre président Sylvain Roulet. Voilà, donc on reprend la saison comme à l'habitude. Donc saison 2023-2024, comme à l'habitude, le deuxième mercredi de chaque mois. Et comme à l'habitude, merci à Laurent Donger et à Franck Bourdon qui assurent en direct la retransmission sur YouTube. Et également sur YouTube, vous pouvez à distance poser des questions. On pourra restituer à la fin de la conférence et échanger avec Jean-Pierre sur vos questions. Également pour la chaîne YouTube, vous pouvez accéder aux anciennes conférences. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on capitalise grâce à la COVID une base de données qui est vraiment très impressionnante sur toutes ces conférences depuis. Voilà, la dernière conférence de la table avait été donnée par Audrey Pitens, qui avait le prix du jeune chercheur de la SF2A en 2022 et qui nous avait fait une superbe conférence sur la chimie associée à la formation des étoiles du Soleil. Voilà, un bref point, parce que Jean-Pierre nous l'avait déjà partagé. Donc aujourd'hui, les auditoires que l'on a grâce à Zoom et surtout à YouTube se maintiennent. On peut dire que globalement, on a peut-être une participation un peu moindre en présentiel, mais c'est vrai qu'elle est parfaitement compensée par la participation en connexion sur YouTube. Et vous voyez, on fait entre 100 et 150 personnes ce soir, on est à 100. 180 personnes d'inscrites et avec quelques personnes en liste d'attente qui vont combler les absents. Et vous voyez, de la même manière, sur YouTube, on fait jusqu'à 176 participants. Et donc, à la limite, on a une salle qui est sans limite. Et on va voir ce soir, je suis sûr qu'on va battre des records. Et en temps réel, là, je ne vois pas, mais on voit déjà pas mal de. Donc, les prochaines conférences, donc mercredi 11 octobre, on aura une conférence sur microscope donnée par Manuel Rodrigue, qui est un chercheur à l'ONERA. C'est une expérience très importante pour vérifier la relativité générale avec je ne sais pas combien de chiffres après la virgule. Et on découvrira ça mercredi 11 octobre. Ensuite, François Hamer, qui est aussi un de nos habitués des conférences mensuelles de la SAF, viendra faire une conférence sur les résultats de Gaïa et sur la masse de la galaxie et la nature des galaxies naines. Et puis, on terminera l'année, le 13 décembre, avec Thierry Dubok de Vie, qui nous fera une. Par cœur sur la probe et avec les tout derniers résultats. Vous pouvez noter les prochains rendez-vous, toujours donc le deuxième mercredi de chaque mois pour 2024, et on commencera le 10 janvier avec Roland Lehoucq, avec une conférence qu'on découvrira dans le programme. Oui, j'en parle aussi. Voilà, et à noter, donc le 30 septembre, nous avons. La réunion de la commission cosmologie, d'être membre de la SAF.
de Levon Chevillard sur l'histoire impossible d'une science aussi peut-être impossible qui est la cosmologie. Voilà, et également mettez sur vos agendas, donc on a plusieurs rendez-vous ce mois-ci et le mois prochain, avec le 16 et 17 septembre, les journées du patrimoine, et à commencer bien sûr par la visite de l'Observatoire de Juvisy. Et si vous ne connaissez pas Juvisy, c'est une belle occasion de visiter l'Observatoire. Le 30 septembre et 1er octobre, on est co-organisateur avec nos amis de l'Observatoire de Meudon de l'opération Stars Up à Vernon cette année. Et puis, du 7 au 14 octobre, beaucoup de manifestations autour de la fête de la science et qui vont être inaugurées cette année par une opération très particulière qu'on co-organise avec l'Observatoire de Meudon, un atelier qui va durer 2 jours les 6 et 7 octobre à l'Observatoire de Meudon sur les opérations, les collaborations amateurs-professionnels. Et à la fois comment on peut enrôler des jeunes, des étudiants, des amateurs dans ces collaborations. Et puis également le thème de la deuxième journée, au-delà de ces collaborations, comment ces sujets peuvent être de vrais sujets pour la médiation scientifique, à la fois pour donner du sens à ces opérations de présentation, de divulgation des sciences, mais également dire à l'auditoire, vous pouvez participer à ces observations. Et ça a vraiment beaucoup de sens. Et depuis 2 ans, l'Observatoire de Paris-Meudon a eu une initiative assez extraordinaire de financer, de mettre vraiment de l'argent pour soutenir des opérations sur des propositions faites par des binômes professionnels et amateurs de l'Observatoire de Paris. N'oubliez pas, bien sûr, les conférences mensuelles de l'Institut d'astrophysique de Paris. Elles, c'est par contre le premier mardi de chaque mois. La prochaine, le 3 octobre, par Cédric Defayet, avec une petite histoire de la masse du graviton. Et puis également, il y a les rendez-vous du Collège de France, mais ça va commencer en décembre, avec le nouveau cours de Françoise Combes sur les étoiles et les trous noirs. La prochaine fois, nous aurons le 11 octobre donc, cette conférence de Manuel Rodrigue. Voilà, donc vous pourrez vous inscrire dès demain en ligne, hein, et l'inscription est obligatoire. Et donc ce soir, j'ai le plaisir d'accueillir Jean-Pierre Luminet. C'est très émouvant pour moi parce que, bien sûr, j'ai le tendre souvenir quand j'étais étudiant ingénieur en école de chimie. J'étais un passionné, bien sûr, de lire la recherche. Et Jean-Pierre avait fait un superbe article avec une illustration bluffante, qui est toujours gravée là, sur voilà, comment la signature d'un trou noir, et c'est super de le voir ce soir. Mais avant de lui donner la parole, je donne la parole à notre président, et je vous demande de l'applaudir, Sylvain Boulet. Bon, bah, bonsoir à tous. On est effectivement, je pense, tous émus ici de recevoir Jean-Pierre Luminet. Hein. Je pense qu'il a marqué plusieurs générations. Hein. C'est vrai que j'ai eu aussi la chance de grandir avec ses ouvrages. Aujourd'hui, on est là pour une raison un peu particulière. Hein. Vous savez que tous les ans, la Société astronomique de France remet son prix le plus prestigieux, hein, le prix Jules Janssen, à un chercheur qui a marqué aussi bien d'un point de vue recherche que d'un point de vue médiation scientifique, de pouvoir tout simplement partager avec le plus grand nombre. Et c'est vrai qu'en 2021, alors effectivement, ça a mis un tout petit peu de temps pour que la médaille arrive, mais c'est vrai qu'entre le Covid et puis l'organisation de ce rendez-vous, aujourd'hui, j'ai vraiment l'immense honneur de remettre. J'ai une voix qui porte, ça va. Est-ce que c'est mieux? Non. Pas mieux? Ah si, ça y est. Bon, ok. Donc effectivement, hein, ce soir, j'ai eu l'immense honneur de remettre le prix Jules Janssen à Jean-Pierre Luminet. C'est vrai que Jean-Pierre, je pense qu'il a, vous avez
tous lu, que ce soit d'un point de vue scientifique. Il a été évidemment un grand pionnier en cosmologie et de l'étude notamment des trous noirs. Mais c'est vrai qu'en dehors de la cosmologie, il a aussi marqué, moi j'ai passé des nuits à lire tes livres hein, sur Newton, sur Copernic, sur les voyages pour voir les transits de Vénus. Bref, effectivement, tu nous as amené à voyager. Tu es effectivement essayiste, romancier, tu es un artiste aussi, hein, donc c'est vrai qu'on peut évidemment que féliciter tout le travail et tout le rayonnement que Jean-Pierre a eu ces dernières décennies. Et pour ça, voilà, la Société donc, Astronomique de France est vraiment heureuse hein, donc, de te remettre, j'ouvre ma petite boîte, hop, voilà, de te remettre eh bien, cette médaille, le prix Jules Janssen. Et voilà, félicitations à toi, que tu continues à nous faire rêver et puis voilà, que ça continue encore de nombreuses années. Voilà, merci. Merci vraiment, je suis très, très honoré, flatté et ému, je dois dire, de recevoir ce prix très prestigieux. Alors c'est vrai que lorsque on regarde la liste des récipiendaires depuis la création du prix, qui remonte à plus de 100 ans, moi j'y vois notamment, hein, j'y vois les noms des pères de la cosmologie relativiste, Einstein, De Sitter, mon cher Georges Lemaître. On y voit aussi les noms, entre autres, hein, de Kuiper et de Oort, qui sont les premiers à avoir finalement modélisé un système solaire beaucoup plus étendu que ce que l'on pensait avant la découverte de Pluton. Et puis, plus récemment, la brochette de tous les grands astronomes français. Donc, c'est vraiment extrêmement, extrêmement honorifique que de recevoir ce prix. Et puis, il y a aussi, évidemment, le nom, Jules Janssen. Moi, j'ai passé, comme vous le savez sans doute, 35 ans, 36 ans de ma vie à mon cher observatoire de Meudon, enfin, Paris, mais sur le site de Meudon, qui, comme vous le savez, avait été fondé par Jules Janssen. Avec la belle statue hein, qui est au bout du parc de Meudon. Et puis Janssen, je ne vais pas faire une conférence sur Jules Janssen, vous en savez sans doute autant que moi, mais il y a une chose que je retiens sur Jules Janssen, c'est que il a été le premier à inventer, entre autres, le revolver photographique pour faire l'un des premiers films scientifiques de l'histoire, qui s'appelle « Passage de Vénus ». Alors vous savez peut-être que mon premier roman scientifique, je l'ai consacré au passage de Vénus, alors pas celui observé par Jules Janssen, je crois que c'était en 1874 si ma mémoire est bonne, qui était les passages de Vénus du siècle précédent qui avaient permis de mesurer pour la première fois la parallaxe solaire. Donc c'est vrai, c'est quelque chose qui me rend encore plus proche de Jules Janssen. Voilà, donc encore mille merci à la Société Astronomique de France et à tous mes amis. Et je suis heureux effectivement de pouvoir revenir ici. J'avais eu le plaisir de faire plusieurs conférences déjà à la Société Astronomique de France. En faire en plus la conférence inaugurale, c'est à nouveau un privilège. Et je vous remercie d'être venus aussi nombreux pour m'écouter parler de le sujet du soir, l'écume de l'espace-temps. Il y a un peu d'astronomie, mais pas beaucoup. N'oubliez pas que je ne suis pas astronome, hein, je suis astrophysicien, on va dire même physicien-théoricien, mais j'espère vous intéresser avec ce sujet qui m'a tellement passionné. Alors je vais simplement basculer entre les deux présentations. L'écume de l'espace-temps. Alors, nombre d'entre vous suivent mes travaux depuis des années, même des générations, si j'ai bien compris. Et donc, certains d'entre vous connaissent
sans doute l'un de ses nombreux ouvrages que j'ai consacré aux étoiles et à ces astres particulièrement fascinants que sont les trous noirs. J'ai écrit plusieurs livres sur le sujet. L'un d'entre eux, je l'ai mis en haut à gauche, le dessin de l'univers. Il remonte à 2006, où dans un livre assez conséquent, je m'étais forcé de dire tout ce que l'on peut dire sur ces objets étranges, d'où ils viennent, leur formation, leur destin, etc., sans formule et sans équation, puisque c'est toujours le désir de m'adresser à un public, un large public averti. Et déjà à cette époque-là, ça remonte presque à 20 ans, hein, on savait que les trous noirs devraient jouer un rôle charnière entre la théorie d'Einstein, la relativité générale, bien entendu, avec lesquelles ils sont initialement décrits, mais aussi avec la théorie de la mécanique quantique, la théorie de l'infiniment petit, à travers déjà les travaux qui étaient développés autour de l'évaporation quantique de trous noirs, le rayonnement Hawking, le paradoxe de l'information, dont on commençait à parler à peine à cette époque. Et donc on suspectait que les trous noirs, en tant qu'objets au moins théoriques, avant qu'on ne les détecte au télescope, ça c'est plus récent, je n'en parlerai pas ce soir parce que ce n'est pas le sujet, mais que les trous noirs allaient jouer vraiment un rôle fondamental pour les développements de ces fameuses théories de gravitation quantique qui sont le sujet de ce soir. Et j'avais écrit un court chapitre pour annoncer un travail futur. Le chapitre s'appelait, je ne sais pas quoi, corde, boucle, ce genre de choses. Je présentais vraiment en quelques phrases à peine quelques embryons, enfin, les recherches, l'état des recherches actuelles sur la gravitation quantique. Et j'annonçais de mes voeux un ouvrage en développement plus long. Et j'ai mis 15 ans pour le faire, parce que c'était une entreprise de très longue haleine. Alors, entre-temps, évidemment, j'ai écrit bien d'autres bouquins, comme vous l'avez vu, mais j'ai mis 15 ans pour plonger complètement dans ce sujet absolument fascinant, qui demande vraiment effectivement quelques compétences en physique fondamentales. Alors, comme vous allez le voir, hein, il n'est pas question de rentrer en détail dans chacune de ces approches, surtout que dans ce livre-là, j'ai voulu élargir le discours sur les approches en gravité quantique, bien au-delà des deux théories les plus connues à l'époque, la théorie des cordes, bien entendu, et puis la gravitation quantique à boucle, et en explorant 5 autres approches, dont je vous dirai un mot tout à l'heure. Alors, le titre maintenant, « L'écume de l'espace-temps », c'est une connotation poétique, d'une certaine manière, mais c'est un titre que j'aime beaucoup, il est assez profond et il renvoie à une double référence. Et une référence littéraire, tout d'abord. La première référence littéraire, c'est celle, elle est à un rapport avec Paul Valéry. Paul Valéry, dans ses cahiers, un jour j'ai découvert cette phrase extraordinaire, « Les événements sont l'écume des choses, mais c'est la mer qui l'intéresse ». J'ai trouvé ça à la fois très beau, mais extraordinairement profond, parce que d'une certaine manière, c'est un petit peu l'objet de la recherche du physicien. Je dirais même de l'artiste créatif en général. Mais bon, là, je vais m'en tenir à la physique. La mer, c'est le substrat initial. Qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est l'espace? Est-ce que c'est le temps? Est-ce que c'est autre chose? Est-ce que le vide quantique? Enfin, bon. Là, dont surgit Les événements, c'est ce qu'on croit être la réalité du monde, peut-être les particules élémentaires, les étoiles, les trous noirs, même des univers entiers, comme on le verra brièvement avec l'hypothèse des multivers. Voilà. Et donc, l'interrogation profonde, c'est quelle est la nature de cette mer qui contient potentiellement tous les événements. Alors ça, c'est la première référence littéraire. On sait que Paul Valéry s'intéressait beaucoup au fonctionnement mental des grands physiciens. Il avait notamment rencontré Albert Einstein pour échanger avec lui sur la façon dont fonctionnait l'imaginaire créatif. La deuxième référence, c'est la référence à l'un des pères de toute cette approche-là, qui est le génial physicien américain John Wheeler. Dans les années 60, donc en fait, c'est l'une des premières tentatives d'essayer de comprendre ce qui se passe au niveau de cette mer mystérieuse. Et donc, il a proposé une approche qui s'appelle la géométrodynamique. Alors, le terme est un peu compliqué, mais enfin, comme il l'indique, ça a à faire avec une géométrie qui change constamment, c'est-à-dire qu'il y a une dynamique qui évolue. Voilà. Et justement, dans cette approche-là,
qui remonte donc, je répète, aux années 1960 et qui a soulevé initialement des dizaines et des centaines de recherches, en soulevant un certain enthousiasme. Il y avait une analogie précisément avec la mer ou avec l'océan. L'idée, c'était donc John Wheeler, qui avait aussi un très grand talent pour trouver des termes simples pour faire comprendre les choses. Il avait pris l'image d'un océan vu de haut d'un avion à haute altitude. On voit une surface plane, continue, bien. Quand on se rapproche, on commence à voir que l'océan, il est un peu plus complexe que ça. On commence à voir quelques vagues. Ça reste continu, mais il y a des courbures. La surface n'est pas tout à fait plane. Et puis, quand on est vraiment au niveau de résolution maximum, par exemple, quand on nage dans un océan où une mer est un petit peu agitée, eh bien, on voit qu'effectivement, l'état de l'océan, il est extrêmement complexe, il est dynamique, il y a des vagues, il y a même de l'écume qui se détache, donc il y a même des discontinuités qui apparaissent. Alors, c'était une image, une métaphore qu'il voulait appliquer à la structure même de l'espace et du temps, en disant qu'à notre échelle macroscopique, une modélisation mathématique de l'espace-temps va utiliser les variétés différentielles continues. Voilà. Et puis, à mesure que l'on va scruter de plus en plus finement la structure intime de l'espace et du temps, on en arriverait jusqu'à l'échelle de Planck, cette fameuse longueur 10 puissance moins 33 cm, où là, on aurait une turbulence spatio-temporelle totale. On ne pourrait plus décrire l'état de l'océan de façon déterministe. À un point donné, à un moment donné, on ne peut faire qu'une des prédictions statistiques, etc. Bon, c'est une métaphore aussi, évidemment, de la quantification possible de la structure même de l'espace et du temps, qu'on appelle donc la géométrodynamique. Donc, vous voyez que cette approche-là, qui a suscité beaucoup de travaux, notamment des travaux sur la cosmologie quantique développée par Stephen Hawking, dont on a beaucoup parlé, n'a finalement pas abouti, mais c'est souvent le cas en physique fondamentale. On propose de nouvelles idées, on travaille, on développe des outils. Et les outils, même on s'aperçoit que finalement l'approche n'est pas suffisante, il faut aller ailleurs, mais les outils qu'on a développés sont utilisés pour d'autres raisons. Et donc tout cela a à faire évidemment avec l'espoir d'unifier les deux grandes théories de base de la physique du XXe siècle, qui sont la relativité générale et la physique quantique. Donc je rappelle, la relativité générale, c'est la théorie d'Einstein, qui traite uniquement de l'interaction gravitationnelle, et la physique quantique, donc ce qu'il est convenu d'appeler l'infiniment grand, ces termes m'agacent un petit peu, parce que normalement en physique, rien n'est vraiment infini, ni infiniment grand, ni infiniment petit, donc disons le très grand, à grande échelle, l'univers est gouverné par la gravité, et de l'autre côté, création plus collective, vous reconnaissez là sans doute les portraits Niels Bohr, Heisenberg, Schrödinger, Paul Dirac, Louis de Broglie. Bon, on pourra en mettre d'autres, Wolfgang Pauli par exemple, enfin bon, voilà, pour montrer simplement qu'il y a une création un peu plus collective qui, elle, au contraire, s'intéresse à ce qu'il est convenu d'appeler l'infiniment petit, qui n'est pas infiniment petit, mais qui est très petit à l'échelle subatomique, les interactions fondamentales, les propriétés des particules élémentaires. Donc on a deux théories qui fonctionnent extraordinairement bien dans leurs domaines respectifs, et dans la plupart des cas, on se contente d'utiliser soit l'une, soit l'autre, selon les échelles d'espace-temps sur lesquelles on travaille. Oui, mais voilà, il y a toujours un vieux rêve, un rêve des physiciens, qui est un rêve d'unification. Deux, c'est peut-être trop. Ça serait mieux d'avoir une seule théorie. Et je dois dire qu'Einstein lui-même a commencé, après ses travaux, évidemment, jusque dans les années 1920, il a passé le reste de sa vie à essayer de développer, en vain, sans succès, ce qu'il appelait une théorie unitaire. À l'époque, on ne connaissait que deux interactions fondamentales. Quand il a commencé ce travail-là, l'électromagnétisme et la gravitation. Après, le schéma s'est compliqué quand on a découvert les deux interactions nucléaires fortes et faibles. Voilà. Mais donc, il y avait déjà ce désir de trouver une voie unificatrice. Le problème, là, pourquoi il a échoué ? Et qu'aujourd'hui, vous allez le voir, on ne va pas dire qu'on a échoué, mais on n'a pas réussi encore. Et peut-être, on ne sait pas sûr si on y réussira un jour. C'est qu'en fait, on a deux conceptions du monde qui sont extrêmement différentes. Alors, je vous préviens, je vais énormément simplifier
tout ce que je vais raconter aujourd'hui par rapport à la complexité du sujet. Donc ne m'envoyez pas si je fais parfois effectivement des choses un petit peu pas très très correctes sur le plan de la rigueur. Alors, en tout cas, chacune de ces deux théories, d'abord, elle est incomplète. Et c'est normal, aucune théorie scientifique, aussi performante soit-elle, est complète. Et donc, ben, la relativité générale, ben, j'en dirai un mot, il y a des singularités mathématiques que l'on souhaiterait éliminer. Avec la mécanique quantique, elle n'est pas complète non plus. Donc on dit, ben, on va les compléter. Peut-être une façon de les compléter, c'est de les marier. Le problème, si vous essayez de marier deux personnes qui ne s'entendent pas du tout, ben, là, pourquoi ne s'entendent pas du tout? Parce qu'elles sont dans des cadres mathématiques complètement différents. Alors, également, donc, pour simplifier énormément, la physique quantique repose sur un cadre espace-temps donné a priori, un espace-temps de fond qui est immuable, qui est fixe. En fait, c'est l'espace-temps de Minkowski, c'est l'espace-temps de la relativité restreinte. Et dans ce cadre fixe et immuable, ben, vous avez, pour décrire la matière et les interactions, vous avez en fait des forces qui font agir donc les éléments matériels au sein de ce cadre fixe et immuable. C'est pour ça qu'on appelle ça la théorie quantique des champs. À droite, de façon très métaphorique, j'ai mis une sorte de nuage pour montrer qu'en relativité générale, c'est radicalement différent, puisque comme vous le savez, pour décrire la gravitation, Einstein abandonne l'idée d'une force d'attraction à la Newton, qui posait des tas de problèmes, notamment avec une vitesse instantanée de propagation qui était incompatible avec l'électromagnétisme, et donc on réduit la gravitation à un phénomène de courbure de l'espace-temps, donc à de la géométrie. Et donc la géométrie de fond agit sur la matière elle-même, et donc, selon une belle formule que disait Wheeler, effectivement, la géométrie dicte le mouvement de la matière, et la matière dicte la forme, dicte la géométrie sous-jacente, donc il y a vraiment une association espace-temps-matière qui ne peut pas être dissociée. Voilà, donc c'est l'une des raisons essentielles pour laquelle il faut trouver autre chose que simplement les unifier. Et puis surtout, après, la gravitation n'est pas quantifiable comme les autres interactions. Alors, brève parenthèse sans rentrer dans les détails, si vous connaissez un tout petit peu la théorie quantique des champs, vous savez que quand on fait des calculs d'interaction et ainsi de suite, on a des problèmes qui sont résolus par une procédure mathématique très astucieuse, mais un petit peu bizarre, qui s'appelle la renormalisation, pour éviter de voir des infinis apparaître. Ça a été génial, c'est inventé par plusieurs chercheurs, dont notamment Feynman, avec ses diagrammes de Feynman. Alors on se dit, on va utiliser, et ça marche très bien pour l'électromagnétisme et les interactions nucléaires fortes et faibles. On dit, on va le faire dans les années 60, on va faire la renormalisation pour les gravitons. Les gravitons qui sont censés être donc les particules qui véhiculent la gravitation. Et le problème, c'est que la gravité, elle est auto-accélératrice. Et donc, je passe les détails. Disons, c'est pas renormalisable, vous avez des infinis. Bon, donc, il y a un problème. Alors maintenant, avant de passer aux théories de gravité quantique, il est bon de rappeler quel est l'état actuel de la physique avec ce qu'on appelle les modèles standards. Donc on va commencer par, mais brièvement, à nouveau, je vais vraiment un énorme résumé, on va commencer par le modèle standard des particules élémentaires, puis après le modèle standard de la cosmologie. Et on verra qu'est-ce qui marche et qu'est-ce qui ne marche pas. Et pour ce qui ne marche pas, qu'est-ce qu'on peut faire? Voilà. Alors pour ce qui concerne le modèle standard, oui, alors j'ai mis. Ah oui, maintenant ça m'oblige à rester là, j'aime pas trop. Disons. Commençons par le modèle standard des particules. Alors, le modèle standard des particules classifie l'ensemble des particules en deux familles. D'un côté, il y a les fermions, qui sont les particules qui sont soumises aux forces, dont les quarks qui constituent les protons, les neutrons, etc., les leptons dont l'électron fait partie, etc., et puis les trois espèces de neutrinos. Et puis, il y a ce qu'on appelle les bosons, qui sont les particules qui sont les médiatrices des interactions fondamentales, comme vous le savez, donc le photon
transporte l'électromagnétisme. Le gluon, c'est l'interaction forte. Et puis, il y a les bosons de l'interaction faible. Et puis, cerise sur le gâteau, prédiction théorique extraordinaire faite par Higgs et Engler de l'existence de ce boson de Higgs, qui, comme vous le savez, donc, dont l'existence a été confirmée 40 ans après la prédiction. Alors, tout ça, c'est bien beau. Modèle standard des particules qui montre une efficacité absolument extraordinaire pour faire des calculs et des approches. Mais comme je vous l'ai dit, aucune théorie n'est parfaite. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, un premier problème, alors c'est plutôt un problème d'ordre épistémologique, si vous voulez, c'est que le modèle standard des particules contient, il dépend en fait d'une vingtaine de paramètres libres. Bon, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a plein de paramètres arbitraires qui ne sont pas fixés par la théorie et que vous pouvez... vous les mettez à la main, etc., pour rendre les choses. Alors, pourquoi pas? Simplement, ça va un petit peu à l'encontre de l'un des grands principes aimés des physiciens, qui s'appelle le rasoir d'Occam, vous savez, le principe de simplicité. Hein, il vaut mieux une théorie qui repose sur le moins de paramètres libres possible. Elle semble être épistémologiquement préférable à une théorie où on peut trafiquer des paramètres libres. Bon, mais après tout, si ça marche, pourquoi pas? Alors, un peu plus embêtant, c'est que le modèle standard des particules ne prédit pas de masse pour les neutrinos. Il prédit une masse nulle. Or, comme vous le savez, la découverte des oscillations des neutrinos, découverte expérimentale, a conduit à donner une masse, certes très faible, mais pas nulle, aux neutrinos. Donc, là, le modèle standard échoue pour les neutrinos. Ensuite, je ne mentionne pas tout, il y a plein de choses, brièvement, le problème de la fameuse asymétrie entre la matière et l'antimatière. Pourquoi l'univers d'aujourd'hui, c'est essentiellement de la matière? Et pourquoi l'antimatière a disparu lors de processus probablement très primitifs dans l'histoire de l'univers? Il y a certes quelques modélisation possible, mais ça ne rentre pas tout à fait dans le modèle standard des particules. Alors également, on ne trouve pas, comme je vais dire un mot dans quelques minutes, de la question de la matière noire et des candidats de la matière noire, le modèle standard ne propose pas de particules susceptibles de faire office de la matière noire dont on semble avoir besoin, en tout cas dans l'approche standard. Et puis, comme je l'ai dit, la gravitation n'est pas quantifiée. Bon, il faut que j'accélère un peu, sinon on en a pour 2 heures. Alors, donc, après, il faut faire une extension donc, du modèle standard. Donc, c'est le travail qui a été entrepris par les plus brillants physiciens théoriciens des années 70. Alors, Suzy, ce n'est pas le prénom d'une jeune femme qui travaille sur ces théories-là, ça veut dire supersymétrie. Hein, voilà. Et puis, Sugra, ça veut dire supergravité. Voilà. Ah, ça veut dire quoi? Il y a un terme super qui vient là pour dire que finalement, au lieu d'avoir 2 familles distinctes, on va trouver une sorte de symétrie complexe qu'on appelle une supersymétrie qui va en fait associer les fermions et les bosons. Alors, a priori, c'est une très très belle idée hein, dans l'histoire de la physique. Dès qu'on met en avant des symétries sous-jacentes, de plus en plus compliquées, hein. Au début, dans l'Antiquité, c'était la rotation, la translation. Aujourd'hui, c'est des théories, c'est des symétries extrêmement complexes dans la supersymétrie, mais ce sont quand même des symétries. Voilà. Alors, le problème, c'est qu'il y a un petit prix à payer. C'est que chaque particule, si c'est vrai, chaque particule a son double supersymétrique. Voilà. Donc il faut les trouver. Voilà. Alors le graviton, le gravitino, etc., etc., avec tous ces noms bizarres. Voilà. Bien. On se dit à quel niveau d'énergie agirait la supersymétrie? Eh bien, dans le schéma rêvé, peut-être en partie fantasmatique d'ailleurs, de l'unification des interactions fondamentales. Je n'ai pas mes lunettes, donc j'ai besoin, c'est ça. Voilà. En partant de l'univers d'aujourd'hui, froid, où il y a apparemment 4 interactions fondamentales découplées, eh bien, en remontant, comme vous le savez, dans le passé de l'univers, donc en remontant en énergie, et on peut recréer ça artificiellement dans les accélérateurs de particules, on remonte en énergie, et comme vous le savez, eh bien, il y a la première unification prédite par le modèle standard entre l'électromagnétisme et l'interaction faible pour avoir une théorie de l'interaction électrofaible et qui est effectivement vérifiée au laboratoire. Donc après, évidemment, les SUSY veulent aller au-delà. C'est ça le modèle standard. Hein, voilà. Et donc les SUSY veulent aller au-delà du modèle standard avec peut-être une unification, les unifications successives jusqu'à l'unification ultime qui conduirait à des théories de gravitation quantique. Alors problème,
c'est que, comme je vous l'ai dit, on peut expérimentalement tester cette approche-là. Alors, ça marche pour la première unification. Et puis, pour la suite, ben, ça ne marche plus. Parce que les niveaux d'énergie actuellement atteints par les grands accélérateurs, les grands collisionneurs, le HC, etc., normalement, permettent d'explorer un domaine d'énergie au-delà du boson de Higgs, de l'unification. Et aucune particule supersymétrique n'est jamais apparue. Voilà. En revanche, la prédiction du boson de Higgs, qui, je répète, c'est la cerise sur le gâteau du modèle standard, faite donc par Higgs et par Engler, comme vous le savez, elle a bien été faite au CERN. Mais donc, comme je l'ai dit, on voudrait aller au-delà de l'énergie supérieure. Donc, le principal problème de la supersymétrie, c'est que pour l'instant, aucune particule supersymétrique n'apparaît dans les expériences. Alors, évidemment, les partisans en se quittant, il y en a, j'en connais encore, j'ai rencontré il n'y a pas longtemps David Gross, l'un des pères de tout cela, il continue à croire ferme à la supersymétrie, parce qu'on ne va pas abandonner comme ça, du jour au lendemain, 40 années de recherche sur lesquelles on a travaillé. Alors, comme la théorie, je vous l'ai dit, elle contient plein de paramètres libres, alors en trafiquant les paramètres libres, vous pouvez dire, ben, en fait, en changeant ce paramètre-là, la première, la moins massive particule supersymétrique, je vais la repousser toujours plus haut en échelle d'énergie, et donc le CERN n'est pas encore, le LHC n'a pas encore atteint ce niveau d'énergie. Bon, pourquoi pas, après tout. Alors maintenant, le modèle standard du Big Bang. Ses forces et ses faiblesses. Alors, ses forces, sa force, comme vous le savez, hein, c'est de, effectivement de proposer un schéma incroyablement performant de l'évolution de l'univers à partir d'une configuration initiale qui a encore évidemment un gros point d'interrogation. Mais au sortir d'une ère initiale, qu'on va appeler l'ère quantique, on a appris des outils de physique fondamentale appliqués à la description de l'univers, à l'évolution de l'univers, qui explique un petit peu cette évolution-là. Et donc, en fait, le problème du modèle standard, l'un des problèmes, enfin, pour moi, le problème majeur, il y en a plusieurs, mais pour moi, le problème majeur, c'est la singularité. Quand vous extrapolez dans le passé les équations classiques de la relativité générale, vous avez des théorèmes qui ont été notamment démontrés. Le premier a été démontré par Georges Lemaître, comme d'habitude, on l'a oublié. Ils ont été redémontrés par Hawking et Penrose dans les années 60 avec d'autres techniques. Il y a une singularité de courbure et donc densité, donc température, c'est-à-dire des quantités infinies. Et comme vous le savez, les physiciens, ils n'aiment pas beaucoup les singularités. Voilà. Donc, soit on les accepte, l'univers est peut-être singulier, soit on se dit peut-être que la théorie est incomplète et qu'il faut l'élargir pour éliminer cette singularité. Alors, le fait quand même que le modèle standard fonctionne extrêmement bien, ce que je vous rappelle, un petit peu le béaba de la cosmologie d'aujourd'hui, ça ne marche plus là. Voilà. C'est, alors, le modèle cosmique standard, on l'appelle lambda CDM. Non. Alors, lambda, c'est le symbole grec pour un terme dont je vais parler brièvement, qui s'appelle la constante cosmologique. Et puis, CDM, ça veut dire cold dark matter. C'est un certain type de matière noire, disons froide. Voilà. Alors, on a ici un schéma général qui montre les positions différentes où on peut placer l'univers dans lequel nous sommes, la dynamique de l'univers, est-ce que c'est une expansion-contraction, c'est une expansion perpétuelle décélérée ou est-ce que c'est une expansion accélérée. On le place dans un graphique qui dépend finalement de deux paramètres, la densité d'énergie normalisée de la matière et la densité d'énergie normalisée de la constante cosmologique, en tout cas de quelque chose qui n'est pas matériel. Après, on met en œuvre des observations astronomiques. Il y a quand même un peu d'astronomie dans ma conférence de ce soir. Et donc, comme vous le savez, un certain type de supernova permet de placer, avec les incertitudes qu'il y a, permet de placer le point d'univers dans cette zone-là, et surtout permet de mettre en avant, j'y reviendrai, une accélération de l'expansion cosmique, donc une valeur relativement élevée de la constante cosmologique. Les anisotropies du fond diffus observées par WMAP, Planck, etc., donnent des contraintes, notamment sur la courbure, qui doit être proche de zéro, et ainsi de suite, amas de galaxies, l'antigravitationnel. Bref, quand vous combinez toutes ces données astronomiques, vous regardez là où elles se croisent.
Voilà, elles se croisent dans cette région-là. Et dans cette région-là, vous lisez rapidement le diagramme. Vers le bas, ça fait à peu près 0,3 pour la densité de matière et 0,7 pour la constante, pour la composante cosmologique. Il faut que la somme soit 1 parce que c'est normalisé. Voilà. Donc, contribution, un tiers de matière, au sens le plus large du terme, comme on le voit, et 0,7 pour la constante cosmologique. Et tout ça, donc, ça a donné tout ce... quand on regarde plus finement ce dont il s'agit, de quoi est composée la matière. Eh bien, il y a l'étoile et le gaz visible qui ne représentent que 1%. Il y a la matière noire atomique qui représente à peu près 4%. La matière noire non atomique qui représente 27%, ça c'est toutes les formes donc, de matière dans l'univers. Alors ça c'est l'analyse, je répète, hein, l'analyse du modèle standard. Tout le monde n'est pas d'accord là-dessus. Hein. Mais à partir de là, c'est le modèle standard, il y a un consensus relativement large. Et puis donc, il y a les deux tiers de cette forme associée à lambda qu'on a appelée, comme vous le savez, l'énergie sombre. Alors justement, un petit mot, toujours avant de venir en venir plus précisément, sur les théories de gravité quantique, la matière noire, l'énigme de ce que certains considèrent être une énigme. Je ne suis pas sûr d'aller aussi loin que cette énigme, mais bon. Voilà. Alors comme vous le savez, la matière noire a été prévue dès les années 1930 par l'astronomie. Zwicky avait observé des amas de galaxies. Il avait observé que des vitesses d'agitation des galaxies dans leur amas étaient très largement supérieures à ce qu'elles seraient si la masse des galaxies se contentait, la masse de l'amas de galaxies était uniquement constituée des galaxies visibles que l'on voyait. Donc il avait dit qu'il doit y avoir une matière invisible qui, effectivement, est responsable de ces vitesses anormalement élevées. Bon, ça n'a rien donné à l'époque, on ne s'est pas intéressé à ça. Après, plus tard, dans les années 60, Vera Rubin et d'autres personnages dont on parle moins, on fait le même genre d'analyse avec les vitesses de rotation des étoiles dans les galaxies spirales. Et là, pareil, s'apercevoir qu'il semblait nécessaire d'introduire une composante non lumineuse pour expliquer les vitesses de rotation des galaxies spirales. Et donc, d'innombrables travaux, des milliers d'articles. Et puis, plus récemment, les données subtiles obtenues sur la structure de rayonnement fossile qui pose plein de contraintes sur la plupart des paramètres, obtenus à la fois par le télescope de la NASA WMAP et par le télescope européen Planck, ont renforcé cette idée qu'on a besoin, en principe, toujours dans cette espace standard, de matière noire. Et comme je le rappelle, donc, cette matière noire, il y a une partie normale, la matière atomique, disons, avec une partie visible et une partie invisible, mais qui est loin d'expliquer le total, puisqu'il semble on a besoin en fait d'un tiers au total de matière noire. Donc ça veut dire qu'il y a la matière noire non atomique. Alors c'est quoi cette matière noire non atomique? Alors évidemment, sur chacun des sujets, sur chaque diapo, on pourrait faire une conférence entière. Donc tout ça, je vais extrêmement vite. Donc grosso modo, on va dire qu'il y a trois types de matière noire possibles. Il y a la chaude, la tiède et la froide. Alors la chaude, c'est quoi? Ce sont des particules relativistes, c'est-à-dire animées de vitesse proche de la vitesse de la lumière. Les neutrinos en font partie, et éventuellement, alors les neutrinos, ils ont bel et bien été, on sait qu'ils existent, et puis des particules hypothétiques qu'on appelle les WIMPs massifs. Bien, la tiède, c'est des particules intermédiaires, et un candidat qui est hors modèle standard, c'est une quatrième espèce de neutrino qu'on appelle le neutrino stérile. Bien. Très intéressant. Bon, j'ai un chapitre très développé dans mon livre, l'écume espacant là-dessus. J'ai absolument pas le temps d'en parler. Après, le candidat qui a été longtemps favori, c'est le candidat à matière froide, d'où le terme de CDM en modèle standard, c'est lambda CDM. Et qui comprend en fait les particules de matière noire sont des particules qui sont en dehors du modèle standard, mais on espère que justement des extensions du modèle standard permettraient de prédire des particules comme des neutralinos, par exemple, dans le cas de la supersymétrie. Les neutrinos sont prédits par la supersymétrie, les actions et ainsi de suite. Voilà. Alors, le problème, c'est qu'aucune de ces particules n'a encore été détectée. Hein, je reviens un petit peu en avant, en arrière. Voilà. Donc, ces particules qui seraient faiblement interactives avec la matière, c'est une caractéristique de toutes ces particules de matière non baryonique, elles seraient insensibles aux interactions fortes électromagnétiques. Donc, pour elles, la matière, c'est quasiment du vide. Donc, quand vous mettez un détecteur matériel, vous ne les détectez pas. Voilà, donc c'est un gros problème. Et de fait,
Voilà, donc toutes les théories. Un petit cartoon amusant, là. Il y a les théories et puis les preuves, c'est zéro. Alors, il y a plein d'expériences, et puis pour l'instant, elles n'ont rien donné. Voilà. Alors, ce qui fait qu'effectivement, des physiciens pensent à des alternatives. Ils disent peut-être que c'est une fausse analyse. Et de fait, effectivement, dans certaines théories qui sortent du modèle standard de la cosmologie, par exemple les théories de gravitation newtonienne modifiées, je n'ai pas un amour fou pour ces théories, mais pourquoi pas, ça vaut la peine évidemment de les étudier, la matière noire superfluide, la gravité émergente, etc., etc., peuvent se passer de la matière noire. Mais cela dit, ce n'est pas parce qu'on ne les détecte pas dans les détecteurs, parce que si elles interagissent faiblement, que pour l'instant, on n'a pas des détecteurs suffisamment performants. C'est comme les ondes gravitationnelles, hein, les interféromètres gravitationnels. Il a fallu des décennies pour arriver au niveau de perfectionnement technologique pour arriver à les détecter. Alors, c'est peut-être comme ça pour la matière noire. Mais quand même, hein, si je reviens légèrement en arrière, il y a maintenant l'astronomie qui intervient. Parce que chaque type de matière noire prédit des choses différentes pour la formation des structures astronomiques. La matière noire, elle est présente dès le début de l'univers, et c'est long qu'elle est chaude, tiède, froide, etc. Les structures vont se former différemment dans différents scénarios. Et il se trouve que, par exemple, les neutrinos, la matière noire chaude, elle est éliminée parce qu'elle est prédit une formation de structures dans le mauvais sens, qu'on appelle le scénario bottom. On forme d'abord des énormes nuages qui se fragmentent en unités plus petites. Or, les observations semblent indiquer l'inverse. Or, l'inverse, les deux théories ne peuvent pas être distinguées à une échelle assez grande de supergalactique de plusieurs millions d'années-lumière. Donc, c'est là aussi l'astronomie peut apporter, toujours en raffinant davantage, peut apporter des contraintes sur des modèles extrêmement théoriques. Bon, j'accélère encore, c'est le cas de le dire, parce que l'énergie sombre accélère la vitesse d'expansion de l'univers, donc ça va aussi accélérer la vitesse de mon discours. Alors, énergie sombre et constante cosmologique. Alors, le vrai père de tout ça, hormis Einstein, je vais dire un mot, c'est Georges Lemaître, pour le côté théorique, et puis pour le côté expérimental, évidemment, vous le savez, Perlmutter, Schmidt. Que l'univers puisse avoir une histoire, ça marche beaucoup mieux. Merci. Mais il avait introduit donc pour de mauvaises raisons, puisque comme vous le savez, quelques années plus tard, des observations commenceront à suggérer que l'univers est en expansion, donc il y a une véritable dynamique. Et c'est Georges Lemaître qui, en 1931, envisage une accélération de la vitesse d'expansion de l'univers qui serait due à une valeur relativement élevée de la constante cosmologique. Et ça, c'est un modèle d'univers qui a été proposé en 1931 par Georges Lemaître, avec une première phase de décélération suivie par une phase d'accélération. Évidemment, tout le monde, personne ne retient cette hypothèse. En 1934, Lemaître va encore plus loin dans un tout petit article que j'ai reproduit maintes fois dans mes écrits, d'une page à peine. Il associe la constante cosmologique à l'énergie du vide quantique, une prédiction absolument extraordinaire qui ne sera après réétudiée que 30 ans plus tard dans le cadre de la théorie quantique des champs, qui n'était pas disponible à l'époque de Georges Lemaître. Donc pendant 50 ans, on n'en parle plus, jusqu'à ce qu'en 1998, on découvre expérimentalement une accélération de la vitesse d'expansion de l'univers en analysant des supernovas et ainsi de suite. Voilà. Et donc cette accélération attribuée à une nouvelle composante répulsive qu'on appelle donc l'énergie noire, dark energy.
Alors, la dark energy, est-ce que c'est la constante cosmique? Parce que la constante cosmique peut faire office d'énergie noire, mais pas forcément. Alors, en fait, un petit détail technique, enfin, ce n'est pas un petit détail, c'est un gros détail, la nature de l'énergie noire, pour savoir ce que c'est, ce qui est responsable de l'accélération, de l'expansion de l'univers qui est observé, elle dépend de ce qu'on appelle une équation d'état, où on va relier la pression du fluide à la densité d'énergie. Et donc, vous avez un petit facteur, vous avez un petit facteur devant, facteur W. Et quand on manipule simplement les équations de Friedmann, cosmologiques, etc., on s'aperçoit que si le facteur W est plus petit que moins un tiers, la pression devient négative et on a une accélération de l'expansion, au lieu d'avoir une décélération, comme on le pensait précédemment. Alors, quels sont les candidats? Bien, à la constante cosmologique, candidat tout naturel, bien, ça correspond à moins 1, W égale moins 1. Alors, à Paris, il se dit, c'est bon, on a une explication, on ne va pas chercher des choses extravagantes, puisqu'on a d'emblée le terme cosmologique, ça ne fait même pas besoin d'en faire intervenir des théories de gravitation quantique, etc. Alors, il y a un problème, parce que tous les théoriciens quantiques des champs, qui se sont confinés par comprendre qu'effectivement, il pouvait y avoir un lien avec l'énergie de vide quantique, ils calculent l'énergie de vide quantique en théorie des champs, et ils trouvent une valeur phénoménalement trop grande, genre 10 puissance 122 fois trop grande par rapport à la valeur observée de la constante cosmologique. Voilà. Donc, ils disent, donc, ce n'est pas la constante cosmologique. Alors, moi, ce n'est pas mon point de vue, parce que je pense que l'on ne sait toujours pas calculer correctement la véritable valeur de l'énergie de vide quantique dans des espaces-temps courbés et compliqués. Mais bon. Donc, il y a d'autres propositions, notamment l'existence de ce qu'on appelle des champs scalaires qui varieraient au cours du temps, qu'on appelle des champs de quintessence, avec ce paramètre qui serait compris là. Et puis, une forme d'énergie un peu extrême, toujours issue de théories au-delà du modèle standard, qu'on appelle des énergies fantômes, etc. Et puis, il y en a d'autres, à nouveau, comme pour la matière noire, disent qu'en fait, c'est peut-être un artefact et qu'on n'a pas besoin, en fait, d'une forme d'énergie noire dans certaines approches non standards, notamment des cosmologies inhomogènes, par exemple. Depuis la gravité anthropique, je n'ai pas le temps de rentrer dans les détails. Alors, toujours est-il, pour conclure brièvement quand même ce sujet, c'est que l'évolution de l'univers tout entier, le destin de l'univers depuis le début, supposé début, jusqu'à la fin, il dépend finalement de l'équation d'état de l'énergie noire. Et donc, comme on ignore encore évidemment la nature de l'énergie noire, il y a ces trois schémas, Big Rip, Big Chill ou Big Crunch. Hein ? Bien. Alors, cela dit, actuellement, on a déjà quelques contraintes sur la valeur du W, donc on a la collaboration Planck a sorti cette fourchette de valeur qui est très proche de moins 1. Donc, ça semble difficile de s'écarter beaucoup de l'interprétation constante cosmologique pour l'énergie noire. Comme vous le savez, actualité astronomique, hein, cette année vient d'être lancé un télescope Euclide, dont le laboratoire d'astrophysique de Marseille, le pôle instrumental, a réalisé une partie des instruments et qui, va faire un travail de grande amplitude sur ces observations pour contraindre les équations d'état de l'énergie noire. Bien. Alors, il est temps que je rentre quand même dans le vif du sujet. Faut-il nécessairement une théorie de la gravitation quantique pour résoudre les différentes questions? Alors, par exemple, si on veut quantifier la gravité, donc, gravitation quantique. Voilà. Faut-il vraiment la quantifier? Ça, c'est une question plutôt d'ordre épistémologique. Mais bon, si on veut la quantifier, oui. Après, on voudrait bien éliminer les singularités de la relativité générale, celle du Big Bang, et puis également celle au fond des trous noirs. C'est un espoir. Hein. Il faudrait que ces théories nouvelles éliminent les singularités. Certaines d'entre elles pourraient unifier les quatre forces, le rêve de l'unification complète, mais pas nécessairement. Éliminer les paramètres libres de la théorie quantique des champs, etc. Donner une explication de l'énergie sombre, résoudre certains problèmes, notamment le paradoxe de l'information. Et en éliminant la singularité initiale, vous commencez à faire des hypothèses sur un possible avant Big Bang, et donc un champ nouveau de questionnement extraordinaire qui s'ouvre. Bon, je zappe ça parce que je prendrai trop de temps. Juste un petit mot sur le paradoxe de l'information. Voilà. Alors maintenant, on va vraiment rentrer dans le vif du sujet. Alors ça, c'est le titre d'un de mes chapitres, que j'aime bien, la libre invention de la gravité quantique. Pourquoi cette libre invention? Parce que nous sommes des physiciens théoriciens, et on a une certaine grande liberté, une certaine
liberté. Pas si grande que ça, contrairement à ce qu'on pourrait penser. Bon. Mais certaines libertés pour inventer et forger de nouvelles théories. Voilà. L'une des raisons, c'est qu'il n'y a pas de contraintes expérimentales. À partir de certains niveaux d'énergie, on n'a plus de contraintes expérimentales. Donc, ça permet effectivement d'imaginer beaucoup de choses. Voilà. Et comme moi, c'est mon métier, la physique théorique, ben, c'est vrai que je suis fasciné par cette possibilité d'inventer relativement librement. Évidemment, il y a quand même des contraintes. Hein. On ne pouvait pas inventer un modèle qui est mathématiquement incohérent ou qui est de façon flagrante en opposition avec les observations, mais ça reste quand même, ça laisse une marge extrêmement grande. Alors, pour illustrer cette libre invention des théories de gravité quantique, alors ne vous effrayez pas, je vous montre quelques solutions qui ont été étudiées. Voilà. Ne regardez pas les détails. Hein. Voilà. Chacune de ces approches-là, c'est une approche possible qui mobilise une vie entière de chercheurs, quasiment. Hein. Voilà. Bon, vous voyez un petit peu le travail qui consiste non pas à rentrer en détail dans chacune, c'est impossible, personne ne peut le faire, mais j'essaie de faire un travail un petit peu d'analyse et de synthèse. Donc, on va simplifier un petit peu. On va s'en tenir d'abord à deux branches, ce qu'on appelle la gravité classique, c'est-à-dire qui n'est pas quantique, et puis effectivement les approches de gravitation quantique. Alors, en gravité classique, la théorie de Newton en fait partie, évidemment, hein, la gravité newtonienne. Et puis la relativité générale, qui incorpore la gravité newtonienne comme une approximation. Alors vous pourriez croire que c'est ça, mais il y a plein d'autres approches de gravité classique, non quantique, dont vous n'avez jamais entendu parler. Les théories bimétriques, la théorie d'Anderson-Cartan, la gravité conforme, tout un ensemble de choses. Il n'y a pas de physique quantique dedans. Et certaines d'entre elles ont toutes été étudiées, pas énormément, hein, mais quand même étudiées. Et certaines d'entre elles résolvent sans quantique, certains problèmes. Par exemple, la théorie d'Anderson-Cartan, qui n'a pas beaucoup été étudiée, introduit, c'est Cartan, le mathématicien Cartan qui a eu cette idée, introduit un terme supplémentaire qu'on appelle la torsion. Et avec cette torsion, on s'aperçoit que ça élimine les singularités. Parce que en remettant les équations d'effondrement vers une singularité, il y a un moment où la torsion devient répulsive. Elle devient antigravitante, donc vous évitez une singularité. Donc vous voyez, on n'a pas forcément besoin de quantique pour éliminer les singularités. Bref, mais quand même, le sujet du jour, puis surtout le courant majeur de la physique fondamentale, c'est de s'intéresser aux théories de gravitation quantique. Alors, grosso modo, il y a trois variantes, trois types d'approches. On approche les fondamentales, les intermédiaires et les effectives. Donc, brièvement, dans les fondamentales, elle est connue, il y a la théorie des cordes, puis la théorie des boucles, la gravité quantique à boucles. Dans les approches intermédiaires, il y a la géométrodynamique de John Wheeler, il y a les triangulations dynamiques causales, etc. Et puis dans les approches effectives, il y a les ensembles causaux, la géométrie non commutative, la gravité anthropique et tout un ensemble de choses. Voilà. Donc ce soir, je vais dire quelques mots très simples, très simplifiés, pas du tout, mais simplement d'une sélection. Alors allons-y, ça y est, on rentre vraiment dans le vif du sujet. Et ne partez pas en courant, s'il vous plaît. Gravité quantique à boucle. On va commencer par ça, qui part d'une analyse fort intéressante de A.B. Ashtekar, physicien d'origine indienne qui travaille aux États-Unis, mais qui a longtemps travaillé également chez nous en France. Et puis de mon collègue Carlo Rovelli, un collègue du Centre de physique théorique de Marseille, et puis d'autres comme Lismoline, etc., qui ont développé cette approche. Alors, en mots incroyablement simplistes et simplifiés, c'est quoi ? Ben, l'idée, c'est que dans cette approche, on va vraiment quantifier la gravité dans l'optique de la relativité générale, dans la philosophie de la relativité générale, où la gravité, c'est de la géométrie. Donc, si vous quantifiez la gravité, vous quantifiez la géométrie. Quantifier la géométrie, ça veut dire abandonner le continu pour passer au discontinu, c'est-à-dire une géométrie qu'on appelle discrète. Donc, il va y avoir des atomes d'espace et des atomes de temps, donc des quantités irréductibles. Donc l'atome d'espace, c'est le
de l'ordre de la longueur de Planck, donc le volume en question. C'est des unités incroyablement petites, bien entendu. C'est le volume de Planck. En plus, après, tous ces atomes d'espace sont enchevêtrés. Alors ça, c'est des images complètement métaphoriques. L'image de la côte de Maille, elle est proposée, elle a été proposée par Carlo Rovelli. Voilà. Et donc, il faut faire marcher cette théorie mathématique, donc théorie sur des réseaux discrétisés, etc. Il faut introduire des évolutions temporelles. On appelle ça des réseaux de spin, puis des mousses de spin, et ainsi de suite. Donc, en résumé, de façon à nouveau extrêmement scandaleusement simpliste. Ce qui est intéressant quand même, c'est que ça fait penser un petit peu à un réseau de neurones, hein, qui nous permet de penser. Voilà. Les atomes, c'est les neurones, et puis après les relations, les connexions entre les atomes, c'est les synapses, etc. Enfin bref, on a donc une discrétisation de l'espace et du temps. Ça permet d'éliminer la singularité cosmologique, en tout cas dans des solutions relativement simplifiées mais assez efficaces, qui ont été calculées notamment par Bojoval et d'autres. Les singularités disparaissent. Oh, ce n'est pas trop difficile à comprendre a priori, puisqu'à partir du moment où vous avez une longueur irréductible, une longueur minimum irréductible, vous ne pouvez pas aller en dessous de cette longueur. Donc la singularité qui correspondait à une longueur nulle, évidemment, disparaît. Et donc ça prédit un rebond. Et donc il y a une théorie qui s'appelle la théorie du Big Bounce. Par exemple, pour le Big Bang, si vous extrapolez, eh bien en fait, le Big Bang, évidemment, on n'a pas été un point de volume nul, ce qui est une absurdité physique. Il s'est passé quelque chose au Big Bang, où il y a eu un grand rebond. Un grand rebond par rapport à quoi? Par exemple, par rapport à l'évolution de l'univers antérieur au Big Bang. Bon. Bien. Et pareil pour les fondements gravitationnels des trous noirs. Bien. L'intérêt aussi de cette théorie, c'est qu'elle pourrait être testable d'une certaine manière, par cette observation extrêmement fine, hein, par le fait que, puisque l'espace est discrétisé, un peu comme un réseau cristallin, ben, la lumière qui se propage dans un réseau cristallin ne se propage pas de la même manière, dans quelque chose de totalement continu. Et il peut y avoir des décalages, précisément, dans les prédictions, entre un réseau discontinu et un réseau continu, qui pourrait être observable par des observations astronomiques très, très fines. Ça résout également certains problèmes théoriques, comme le paradoxe de l'information et l'entropie des trous noirs. Et puis, assez récemment, l'une des choses également, une conséquence intéressante possible hein, de ces gravités quantiques en boucle, j'ai appris hier d'ailleurs que ça vient faire juste l'objet du dernier livre de vulgarisation de Carlo Rovelli qui consacre aux fontaines blanches. Alors c'est quoi l'idée? Ben, c'est que dans les gravités quantiques à boucle, comme je vous dis, il y a un rebond, on ne peut pas avoir de singularité, eh bien, alors que dans la relativité classique, une fois que l'horizon des événements qui est ici, la surface du trou noir est franchie, toutes les courbes d'univers avec les cônes de lumière conduisent à ça, c'est-à-dire à la singularité, eh bien là, il y a un Big Bounce dans les fondements sphériques quantiques dans le cadre de cette théorie, lorsque la densité atteint cette valeur énorme qui est la valeur de Planck. La gravité s'inverse et l'étoile rebondit. Et, proposition théorique, hein, dans des solutions très simplifiées, le trou noir se transforme en fontaine blanche. Donc dans cette situation-là, le trou noir n'est plus un état définitif et irréversible, puisqu'il y a un rebond, et la matière peut ressortir de l'horizon des événements sous forme d'une fontaine blanche. Sauf que la fontaine blanche, je n'ai pas le temps de parler, j'en ai parlé dans les conférences précédentes sur les trous noirs, vous savez que normalement, dans les fontaines blanches, sont prédites par certaines raisons de symétrie, de certaines équations, mais les fontaines blanches classiques, normalement, elles sont dans d'autres régions de l'espace et du temps. Là, ce serait au même endroit. Il y a le trou noir qui se ferme, mais au même endroit, ça ressortirait sous forme de fontaine blanche. Mais avec des décalages temporels absolument gigantesques, ce genre de choses, donc c'est pas observable, c'est pas observé, et ainsi de suite. En tout cas, voilà, on appelle ça les étoiles de Planck. Bien. Saut à la corde. Alors, saut à la corde, c'est en fait la théorie des cordes, évidemment. C'est l'approche la plus ancienne, la première à avoir été développée dans les années 1960. Au départ, pas du tout pour avoir une théorie unitaire. Gabriele Veneziano, un brillant physicien, a travaillé sur l'interaction forte. Il a essayé de faire donc, un modèle d'interaction forte en rajoutant des dimensions supplémentaires, mais surtout, en supposant que les particules élémentaires ne sont plus des objets matériels définis, mais des bouts d'espace qui vibrent. Enfin, je vais y venir très bientôt. Alors, assez rapidement, des théoriciens comme Michael Green, puis David Gross, Edward Witten, etc., ont étendu ces idées préliminaires de Veneziano en pensant qu'ils avaient enfin mis le doigt sur la théorie unitaire dont Einstein rêvait.
incorporant les quatre interactions fondamentales. Donc voilà, donc de façon une fois de plus incroyablement simplifiée, l'idée de départ, c'est de remplacer l'idée d'une particule pas tout à fait ponctuelle, mais qui a une masse, une charge électrique, un spin, ce genre de particules quantiques, par un bout d'espace unidimensionnel qui vibre, qu'on va appeler une corde virtuelle. Ces bouts d'espace sont minuscules, ils sont de l'ordre de la taille, c'est de l'ordre de la longueur de Planck, ils ont une tension énorme, il y a des modes vibratoires, il y a deux familles. La belle idée là-dedans, c'est de réduire l'ensemble des milliers de particules élémentaires apparemment distinctes en deux familles seulement, les cordes ouvertes et les cordes fermées, comme les portes, si vous voulez. Ça, c'est ouvert, ça, c'est fermé. Alors, les cordes ouvertes ont des extrémités libres, comme vous le voyez, donc il y a des modes vibratoires, et puis les cordes fermées, ce sont des boucles. Alors, toutes les particules élémentaires, à l'exception du graviton, seraient des cordes ouvertes, et seul le graviton serait des cordes fermées. Et les modes vibratoires vont décider, notamment pour les cordes ouvertes, ben, quelle est la particule associée. Donc c'est le même objet, une corde ouverte, mais vibrant d'une certaine manière, ben, ça nous apparaît comme un photon, d'une autre manière c'est un neutrino ou un quark et ainsi de suite. Donc au départ c'est fascinant, comme unifier l'ensemble des particules élémentaires sous forme de deux familles, c'est très pythagoricien aussi, tout est musique au sens le plus infinitésimal du terme. Voilà. Alors, ben c'est beau, mais il y a quelques prix à payer qui sont à la fois embarrassants et intéressants aussi, intéressants pour les mathématiciens parce que ça fait beaucoup travailler, mais embarrassants aussi, c'est que le schéma ne fonctionne pas dans l'espace-temps habituel, avec trois dimensions d'espace, une dimension de temps, il faut au moins rajouter ce qu'on appelle les dimensions supplémentaires d'espace, hein, pas de dimension temporelle, et dans les dernières versions, c'est 7, il faut rajouter 7 dimensions. Voilà. Et alors donc, ça veut dire que Nous vivrions, dans alors, la théorie des cordes, une longue histoire, je raconte ça dans le livre, elle s'est développée, la théorie des bras, on a appelé ça. L'idée, l'une des idées, c'est que nous vivons notre espace-temps habituel, nos trois dimensions, c'est une section, une tranche d'un espace fondamental à 10 dimensions d'espace, on appelle une branne, et nous sommes collés sur cette branne. Et tout ce que nous observons et mesurons, c'est collé sur cette branne. Et justement, les extrémités libres des cordes ouvertes sont également collées sur cette branne. Et qu'est-ce qui se passe ailleurs ? Ben, ce qui se passe ailleurs, c'est la gravité. La gravité elle est diluée dans les dimensions supplémentaires et les boucles fermées ne peuvent exister que dans les dimensions supplémentaires de l'espace. Alors c'est chouette hein, sur le plan mathématique. Hein. Vous allez travailler sur des espaces-temps en 11 dimensions, 10 dimensions d'espace, une dimension de temps, etc. Voilà. Et un problème aussi, l'autre prix à payer, c'est que vous avez un nombre de solutions absolument phénoménal. Alors dans toutes ces théories, notamment en théorie des cordes, l'état du vide quantique joue un rôle, les différents états de l'énergie du vide quantique jouent un rôle fondamental. Et quand vous commencez à calculer le nombre d'états du vide quantique lié à la taille, le nombre de dimensions supplémentaires, la taille, etc., vous trouvez un nombre phénoménal de solutions, au moins 10 puissance 500 solutions possibles, chaque solution proposant un modèle d'univers particulier. Comment vous allez trier expérimentalement entre ces solutions-là. L'une des raisons que j'aime bien avancer pour suggérer pourquoi il y a tant de solutions, je l'aime bien parce que ça fait intervenir la topologie, comme vous le savez peut-être, c'est l'un de mes sujets favoris, c'est que dès qu'on rajoute des dimensions supplémentaires, il y a la topologie qui rentre en jeu. Alors à gauche, par exemple, je prends un exemple extrêmement simple, à partir d'un plan, donc un espace de fond à deux dimensions, alors chaque point, je dis, bah, tiens, je vais rajouter deux dimensions supplémentaires, deux dimensions d'espace. Ben, vous avez plusieurs manières de le faire. Par exemple, vous pourrez rajouter des dimensions supplémentaires courbées sous forme d'une sphère ou courbée sous forme de tore. Dans les deux cas, vous avez des dimensions supplémentaires fermées sur elles-mêmes, mais avec des topologies différentes. Vous engendrez deux modèles radicalement différents qui font des prédictions physiques complètement différentes. Or, ce n'est pas deux qu'il faut en rajouter, c'est 7. Et donc, on appelle ça des espaces de Calabi-Yau, dont vous avez ici une visualisation simplifiée. Et il faut arriver à classifier topologiquement tous ces espaces de Calabi-Yau, on n'y arrive pas. Donc, enfin, ça explique pourquoi il y a une foison invraisemblable de toutes ces variantes de la théorie des cordes. Alors, comme toute théorie, il y a des avantages et des inconvénients. Alors, les avantages, c'est qu'il y a quand même une élégance initiale. Moi, je ne suis pas du tout adepte de la théorie des cordes, mais franchement, je reconnais quand même qu'au départ, c'est une idée merveilleusement élégante. En plus, moi qui suis passionné de musique, imaginez que toutes les vibrations, c'est pas mal. Voilà. Alors, effectivement,
Parmi les approches, c'est celle qui, effectivement, a cette ambition extraordinaire d'inclure la gravité, puisque le graviton, c'est une corde fermée, d'inclure la gravité. Donc, ça unifie les quatre interactions. Je ne l'ai pas dit, mais la gravité quantique à boucle, c'est bien, mais ça ne quantifie que la gravitation. Et ça ne fait pas l'unification avec les autres interactions fondamentales, hein, qui ne sont pas des boucles. Voilà. Ça résout le problème, ce qu'on appelle le problème de la hiérarchie. Je n'ai pas le temps d'en parler, sauf si vous me posez des questions. Ça résout l'entropie des trous noirs. Ça stabilise, ça peut stabiliser dans certains modèles les trous de ver, que l'on aimerait bien utiliser un jour pour voyager dans l'espace et dans le temps. Je n'ai pas le temps d'en parler non plus. Ça élimine également la singularité du Big Bang dans certaines variantes, dans le modèle épikérotique, ce genre de choses. Voilà. Bon, donc ça, c'est très bien. Mais maintenant, les inconvénients, eh bien, ça repose sur la supersymétrie. Il est difficile d'échapper à la supersymétrie pour arriver au niveau de la théorie des cordes. Voilà. Et comme je vous l'ai dit, pour l'instant, aucun candidat supersymétrique. Donc c'est un problème. Et puis alors là, ce n'est pas 20 paramètres libres qu'il y a, c'est 105. Ce qui explique justement le nombre phénoménal de solutions possibles. Voilà. Au point que des physiciens disent, en fait, cette théorie n'est même pas fausse. Ça veut dire quoi? On ne pourra jamais démontrer, on ne pourra jamais être réfuté, donc on est contre les... C'est des critères habituels de réfutabilité, critères de Popper sur la réfutabilité d'une théorie. Voilà. Alors, elle n'est même pas fausse. Et puis, ce qui m'a intéressé, c'est qu'il y a eu un événement récent, enfin en 2017, le temps file vite, hein, qui est l'événement gravitationnel 17-08-17, c'est-à-dire le 17 août 2017. Il y a une onde gravitationnelle qui a été détectée. Elle était issue non pas de la fusion de deux trous noirs, mais de la fusion de deux étoiles à neutrons, qui produisent également des ondes gravitationnelles. À partir de là, il n'y a pas que des ondes gravitationnelles, il y a aussi un signal électromagnétique, parce que vous avez des objets non effondrés en trou noir, même si la fusion a probablement donné un trou noir, au moment de la collision, il y a eu également une onde électromagnétique, et cette onde électromagnétique a été perçue sous la forme d'un sursaut gamma. Et donc on a pu coupler une observation astronomique qui a suivi, et localiser et l'observation de l'événement gravitationnel, et on a pu localiser très précisément l'objet, enfin, l'endroit où ça s'était passé, dans une galaxie lointaine, NGC 4993. Voilà donc cet événement, cette fusion d'une étoile à neutrons. Et donc après, on a comparé le temps de propagation de l'onde gravitationnelle avec le temps de propagation de l'onde lumineuse, puisqu'on avait les deux types d'observations, il n'y a eu aucun décalage. Or, dans la théorie des cordes, la gravité est censée être diluée dans les dimensions supplémentaires de l'espace. Et donc, il y a une partie de l'intensité gravitationnelle, de l'énergie gravitationnelle, qui aurait fuité à travers les dimensions supplémentaires de l'espace, qui ne nous sont pas perceptibles. Il y aurait eu un petit décalage dans les temps d'arrivée, ce qui n'a pas été observé. C'est l'un des arguments astronomiques qui pourrait poser effectivement une contrainte assez forte sur ces modèles-là. Bien. Comme vous le savez, après, une petite parenthèse sur les modèles de multivers, parce que je sais que ça intéresse beaucoup de personnes. Alors, il faut voir ce qu'on met derrière ce mot-là. Il y a plein de types différents de multivers. Le premier multivers, il est issu simplement de la physique quantique, avec ce qu'on appelle l'interprétation d'Everett de la physique quantique, qui vous dit qu'en fait, tout système quantique avant mesure, c'est une superposition d'états. L'interprétation standard, qu'on appelle l'interprétation de Copenhague, vous dit que quand vous faites une mesure, vous fixez un seul état et les autres disparaissent. L'interprétation d'Everett, qui est tout aussi compatible et consistante, vous dit que tous les états sont réalisés, mais dans des univers différents, ça bifurque. Donc, par exemple, la fameuse histoire du chat de Schrödinger, l'analogie, qui est une superposition d'un chat mort et d'un chat vivant. Quand on fait la mesure, on va dire soit il est mort, soit il est vivant. Ben, Everett nous dit qu'il y a un univers dans lequel il est mort et un autre univers dans lequel il est vivant, et ainsi de suite. Voilà. Donc, ça crée effectivement un embranchement incessant d'univers différents. Je n'ai pas posé la question si j'avais une contrainte de temps, pour savoir si j'accélère ou pas. Oui, il y a toujours une contrainte, mais on ne doit pas évacuer le... Ça a commencé le CNAM. 14,2 milliards d'années. D'accord, ouais. Donc on peut aller jusqu'à... Entendu. Merci. D'accord, d'accord. Cosmologie inflatoire.
Alors, je consacre un long chapitre à une critique de l'inflation dans mon livre. On est d'accord ou pas, mais bon, voilà. Mais l'arme-corps, c'est une théorie à laquelle je n'adhère pas vraiment, mais qui prédit des choses intéressantes, et notamment ce qu'on appelle les cosmologies inflatoires, c'est la possibilité que, en chaque point de l'espace-temps préalable, les mécanismes responsables de l'inflation dus à une brisure spontanée de symétrie agissent différemment dans des conditions différentes, et ça va créer des bulles d'espace qui deviennent énormément grande grâce à cette inflation, mais à des moments différents, avec des tailles différentes et avec des lois de la physique et des paramètres différents. Donc ça veut dire que ce n'est pas vraiment un multivers, parce qu'il y a un seul univers gigantesque, mais au sein de cet univers, vous avez des régions, des sortes de bulles inflatées, qui ont des lois physiques différentes. C'est un petit peu comme si on avait des univers différents. Voilà. Donc ça, c'est l'univers des cosmologies inflatoires. Après, dans la théorie des cordes et d'autres théories, il y a aussi ce qu'on appelle le paysage des vides. Quand vous étudiez tous les états possibles, les états d'énergie de vide quantique, des fluctuations, etc. Et puis certains vous disent que donc, ça crée un paysage. Et chaque point de ce paysage, c'est potentiellement un univers. Pas un univers fictif, mais peut-être un univers réellement réalisé. Voilà. Donc si les 10 puissance 500 dans cette optique-là, hein, les 10 puissance minimum 500 solutions de la théorie des cordes correspondraient non pas à 10 puissance 500 univers fictifs, mais il dit que ça se réalise réellement. Et le nôtre ne serait qu'un cas incroyablement en particulier et invraisemblable. Voilà. Et puis, vous avez aussi dans les cosmologies à rebond, vous avez aussi des sortes de multivers temporels, c'est-à-dire vous avez des phases d'univers en expansion, contraction, il y a un rebond, et à chaque transition, les lois de la physique sont changées. Et donc, finalement, ce sont des univers qui se succèdent dans le temps, mais qui sont différents les uns des autres, et ainsi de suite. Bon, l'aberration, c'est ce qu'on appelle le multivers mathématique, où un physicien a prétendu que n'importe quelle équation mathématique correspondait à une réalisation d'univers, ce qui est totalement absurde, mais enfin bon, ça valait toujours la peine de faire l'hypothèse. Bon, je finis en vous parlant très brièvement de trois approches sur lesquelles je pense qu'on n'a jamais rien écrit dans la littérature dite de vulgarisation, même de haute vulgarisation, je veux dire en toute langue confondue, je n'ai trouvé aucun livre dans le domaine anglo-saxon, qui aborde de façon intelligible, je me suis aussi parvenu moi-même, trois approches dont je vais vous parler. Mon livre en contient d'autres, hein, mais je ne vous raconte pas tout ce soir. Alors, il y en a une qui s'appelle donc les triangulations dynamiques causales, TDC. Voilà. Vous ne connaissez peut-être pas le nom des deux physiciens, Ambjorn et Renate Loll. L'un est danois, l'autre est allemande. Alors, ça part de quoi ? À nouveau, je vais incroyablement simplifier. Vous savez qu'on peut décomposer n'importe quelle surface. Vous prenez une surface, vous la décomposez en petits triangles élémentaires et vous pouvez faire des calculs dessus. Hein, voilà. Alors, par exemple, c'est très utile en aérodynamique. Là, ça me rappelle justement quand j'ai fait mon service militaire en tant que scientifique du contingent. J'ai travaillé à mi-temps en laboratoire d'analyse numérique de l'école polytechnique. Et le travail qu'on m'avait donné, c'était un programme qui permettait de trianguler des surfaces d'ailes d'avion, des profils d'ailes d'avion. Parce qu'évidemment, en décomposant un petit élément, vous allez pouvoir mieux calculer les contraintes exercées par, évidemment, la vitesse des vents, la turbulence, etc., sur ces petits éléments plutôt que sur le profil complet. Et vous calculez chaque élément, et après, vous faites une intégration de l'ensemble. Donc voilà, décomposition d'un élément fini qui permet. Voilà. Bon, eh bien, on peut le faire dans un espace-temps. Et c'est un physicien italien qui s'appelle Regge qui a fondé dans les années 60 ce qu'il appelle le calcul de Regge pour commencer à faire de la relativité numérique. C'est à cette époque qu'on a commencé à imaginer à faire un petit peu des simulations numériques de la relativité générale en faisant ce calcul-là. Bon, ça, c'est l'idée de départ. Maintenant, dans l'approche encore beaucoup plus complexe des triangulations dynamiques causales, l'idée, c'est que de partir d'éléments qui ne sont plus des triangles, mais des simplexes, c'est-à-dire dont ce sont des structures, ce sont des blocs de construction tridimensionnels de l'espace-temps qui peuvent avoir des formes différentes. Bon, ici, il y a des pyramides, il peut y avoir des dodécaèdres, ce genre de choses. Voilà. Donc, on a des blocs de construction. Donc, c'est une théorie discrète. Ce n'est pas continu, puisque vous avez des blocs de construction. Après, les blocs de construction, pour faire une théorie dynamique, il faut les faire évoluer au cours du temps. Et donc, il faut poser des règles pour faire évoluer ces blocs de construction. Et donc, les règles sont fondées essentiellement sur le respect de la causalité.
C'est-à-dire le fait que, évidemment, il ne peut pas y avoir de boucle de rétroaction dans le temps, que la cause doit toujours précéder l'effet. Et donc, ces physiciens-là, ils ont montré qu'en incorporant donc, un certain nombre de règles subtiles respectant la causalité agissant sur ces blocs de construction de l'espace-temps, ben, vous faites des simulations numériques. C'est une approche numérique, hein, puisque ça part, comme je l'ai dit, pour les profils d'ailes d'avion, c'est une numérique aussi. Qu'est-ce que ça prédit ? Ben, on en arrive à des résultats quand même assez étonnants. Ça prédit, par exemple, que à très très grande, au bout d'un temps de simulation, une intégration assez long, qui représenterait donc un univers largement évolué, vous, vous tendez vers une solution à quatre dimensions qu'on appelle l'espace-temps de De Sitter, qui est très connu dans la cosmologie et qui pourrait représenter l'état de l'univers dans un futur très lointain, lorsqu'il est gouverné exclusivement par une constante cosmologique, où la matière est tellement diluée qu'elle ne rentre plus en jeu. Ça s'appelle l'espace-temps de Sitter avec une vitesse d'expansion exponentielle. Eh bien ça, ça tend naturellement dans le futur infini vers l'espace-temps de Sitter. Plus étonnant, si vous regardez au contraire au début, ben, l'univers il devient bidimensionnel et fractal. Donc on part d'une structure bidimensionnelle à petite échelle, à une structure fractale, pour aboutir à cours de cette évolution vers un espace-temps de Sitter. Voilà, elle incorpore naturellement la constante cosmologique avec une valeur tout à fait compatible, contrairement au problème mis en avant par la théorie quantique des champs qui vous dit que l'énergie du vide associée à la cosmologique est énormément trop grande. Là, on a une valeur naturelle théorique de la constante cosmologique qui sort et qui est tout à fait compatible avec les valeurs observées. Voilà, j'en dirai pas plus. Pour dire un mot sur ce qu'on appelle la gravité anthropique. Alors, anthropique, hein, ce n'est pas A-N-T-H, hein, c'est anthropique, c'est l'entropie thermodynamique. Parce qu'effectivement, l'idée de départ, ce brillant physicien que vous ne connaissez pas, physicien américain, Ted Jacobson, puis après qui a été un peu plus popularisé par Eric Verland, repose sur plusieurs choses. Alors d'abord, l'idée, c'est que Ted Jacobson a montré de façon très astucieuse que si on incorpore le principe d'équivalence, une variante du principe d'équivalence dans les lois de la thermodynamique, vous retrouvez la relativité générale. C'est fort, hein ? Parce que la thermodynamique, c'est l'une des théories de base. D'ailleurs, Einstein a dit que dans toutes les théories de la physique, la plus profonde de toutes, celle qui ne serait jamais changée, c'est la thermodynamique. Voilà. Bon. À partir de là, en thermodynamique, vous avez certaines quantités thermodynamiques fondamentales, comme l'entropie. Et vous savez que l'entropie, c'est lié à la quantité d'information. Alors, vous savez qu'on peut quantifier l'information sous la forme de ce qu'on appelle les bits d'information. Alors, dans le bit classique, vous avez juste deux valeurs, 0 et 1. Voilà. Et puis après, le bit quantique, alors on en parle beaucoup, évidemment, avec les ordinateurs quantiques et ce genre de choses. Ben, on passe à ce qu'on appelle le qubit, où c'est cette fois-ci un bit pour prendre une infinité d'états entre 0 et 1, puisque c'est une superposition de tous les états possibles entre l'état 0 et 1. Et l'état 1. Alors, c'est ce qu'on appelle effectivement. Les qubits sont censés être utilisés dans les futurs ordinateurs quantiques, mais qui ont besoin de quelque chose de fondamental, qui est l'une des propriétés les plus étonnantes de la physique quantique, ce qu'on appelle la non-séparabilité due à l'intrication de particules quantiques. Vous savez que vous partez d'un système quantique, pardon, de particules qui sont intriquées, et tant que vous ne faites pas de mesure sur elles, elles restent intriquées, non séparables. Voilà. Donc pour conserver l'intrication de particules intriquées, pour conserver l'information, ça c'est le projet des ordinateurs quantiques. Bref, on oublie ça, on passe maintenant à essayer d'incorporer ces idées dans cette théorie de la gravité anthropique qu'on appelle aussi parfois la gravité émergente. Vous allez voir pourquoi on l'appelle émergente. On part de l'idée assez forte quand même que l'espace-temps, en fait c'est un réseau de bits, donc c'est totalement virtuel. Ce sont des bits quantiques. Voilà. Et si vous prenez juste un réseau de bits quantiques et que vous réalisez l'intrication qu'avec les bits voisins, hein, eh bien vous retrouvez l'espace-temps classique de Minkowski sans la gravité. Donc, c'est déjà pas mal ça. Après, si vous voulez trouver la gravité, il faut rajouter quelque chose, c'est-à-dire la courbure de l'espace-temps. Eh bien, ça émerge. C'est pour ça que c'est aussi la gravité émergente de variations dans la structure d'intrication. Hein, ça ne se réalise pas toujours de la même façon. C'est très fou ce que je vous dis, mais enfin bon,
pour synthétiser. Voilà. Et dans ce cadre-là, l'énergie sombre, elle émergerait de l'intrication, mais de bits éloignés, de bits quantiques éloignés. Voilà. Donc voilà un petit peu les vertus, pourquoi on en a effectivement pas mal parlé à l'époque où ça a été redéveloppé par Yves Verlande, qui utilisait aussi des trucs d'holographie dont je n'ai pas le temps de parler, et ainsi de suite. Voilà. Et il y a aussi d'autres interprétations de l'énergie noire. Je finirai enfin, direz-vous, avec ma théorie préférée. C'est malheureusement la plus abstruse de toutes. Ça s'appelle la géométrie non commutative. Alors, c'est ma préférée pour plusieurs raisons. Ben, d'abord, parce qu'elle est due à l'un de nos plus grands génies mathématiques français, qui s'appelle Alain Cohn, qui est un de mes amis, qui est donc médaillé fils des mathématiques, en ayant développé au départ, des années 60-70, une généralisation complète des géométries de Riemann, de même que les géométries de Riemann, les géométries, donc. Non euclidienne avait généralisé la géométrie euclidienne, eh bien les géométries non commutatives incorporent les géométries de Riemann comme des cas particuliers, des géométries les plus générales. Donc moi qui ai une formation au départ de géomètre, je ne peux qu'être séduit évidemment par cette tentative de généraliser au maximum la modélisation géométrique et puis après de l'importer dans la physique. Alors ben, Alain Cohn, il a bien compris ce potentiel incroyable, parce qu'il a une immense culture sur toute l'histoire de la physique, etc. Et on a dit, ben, on va appliquer la géométrie non commutative pour faire de la physique. Alors d'abord, il s'est occupé du modèle standard de particules, théorie quantique des champs. Donc il s'est associé à Elie Shamsiddin et à quelques autres. Et puis après, il s'est intéressé à la cosmologie, modèle standard de la cosmologie, avec Mathilde Marcoli et quelques autres. Alors, pour donner une idée de cette approche-là, je reviens finalement sur ce dont je vous ai parlé jusqu'à présent, quelques approches. Vous aviez deux types d'approches. Il y avait des approches où il y avait un espace de fond continu. C'était le cas de la théorie des cordes. Ce n'est pas l'espace-temps de Minkowski, mais c'est une sorte de généralisation de l'espace-temps de Minkowski avec des dimensions supplémentaires, etc. Mais c'est un espace de fond. Et avec l'idée... Ça ne sort pas de la théorie quantique des champs, puisque je veux dire, c'est une extension de la théorie quantique des champs, ça reste dans l'idée qu'il y a un cadre fixe, et à l'intérieur, on décrit tout par des interactions et ce genre de choses. Bon, voilà. Donc, c'est le cas de la théorie des Brahn, c'est le cas d'autres théories dont je n'ai pas le temps de vous parler. Et puis, on a vu qu'avec, par exemple, la théorie des boucles, eh bien, l'espace-temps, il est discrétisé. Donc, on n'a pas un espace-temps de fond fixe et continu, c'est un espace-temps discrétisé qui interagit en permanence avec la matière, et donc la dynamique se construit en même temps, la dynamique de la matière se construit avec la dynamique sous-jacente de l'espace et du temps, contrairement à la théorie des cordes, etc. Bon, c'est deux grandes catégories. On se dit, est-ce qu'il n'y aurait pas un moyen terme, un compromis entre les deux? On va appeler ça l'espace de temps flou, l'espace de fond flou. Alors, d'une certaine manière, la géométrie non commutative réalise cette espèce de flou qui est artistique. Voilà. Alors pourquoi? Qu'est-ce que c'est que la non commutativité? Vous prenez les nombres, ils sont commutatifs. Hein, vous multipliez deux rangées de trois pommes, c'est la même chose que... Enfin, 2 × 3 égale 3 × 2. Vous savez comment... Maintenant, les rotations. Je ne sais pas si vous avez réalisé, les rotations familières, etc., elles ne sont pas commutatives. Vous prenez un livre, vous le posez à plat, hein, ici, vous le relevez, vous le mettez sur la tranche, puis vous le faites tourner de 90, vous avez tout ça. Prenez le même livre, vous inversez les opérations, au lieu avant de le mettre sur la tranche, vous le faites tourner, et vous le mettez sur la tranche, le résultat final est différent. Donc les rotations ne sont pas commutatives. Alors à ceux qui ont fait un peu des mathématiques, d'ailleurs... La plupart d'entre vous, j'imagine, vous souvenez des matrices. Alors, les rotations s'expriment par des matrices. Mais plus généralement, les matrices ne sont pas commutatives. Le produit des matrices n'est pas commutatif. Même un truc aussi simple que ça, AB, ce n'est pas la même chose que BA. Voilà. Donc, voilà. Donc vous avez plein d'objets mathématiques qui ne sont pas commutatifs. Bon. Alors maintenant, on va du côté des mathématiques utilisées dans les théories fondamentales, notamment en physique quantique. Alors, dans l'approche de Heisenberg, qu'on appelle la mécanique quantique matricielle, les choses sont représentées par des grosses matrices. Alors notamment, vous avez un opérateur, qui s'appelle opérateur de position, et puis vous avez un autre opérateur, qui est l'opérateur impulsion. Voilà. Donc chacun s'est représenté par ces matrices que vous voyez là.
eh bien, ces matrices ne commutent pas. Et l'un des coups de génie de Paul Dirac, c'est d'avoir montré que la fameuse relation d'incertitude de Heisenberg résulte en fait de la non-commutativité de ces deux opérateurs. Hein, voilà. Bon, l'une des idées de base de la gravitation quantique non-commutative, c'est qu'on va avoir deux opérateurs différents. L'un, c'est l'opérateur sur les coordonnées de l'espace, et l'autre, c'est un opérateur qui agit sur la courbure de l'espace, et ils ne vont pas commuter. Donc, on va avoir une sorte de relation d'incertitude gravitationnelle. C'est pour ça que, d'une certaine manière, ça va rendre les choses floues. Vous n'allez pas accéder au point. Vous n'avez accédé qu'à des voisinages qui deviennent flous à mesure que vous essayez de vous approcher du point, comme dans la relation d'incertitude. Vous ne pouvez pas vous approcher infiniment près de la position ou de la vitesse ou de l'impulsion. Donc, c'est ça l'idée d'un espace-temps flou. À partir de là, dans le développement, ce qu'on appelle le modèle standard non commutatif, dit que finalement notre espace serait le produit de deux espaces. L'un des membres du produit serait donc un espace-temps riemannien qui contient donc qui continue, hein, voilà, et qui est commutatif. Et il contient la relativité générale avec des corrections bien intéressantes, des corrections. Sur la gravité conforme. C'est la seule approche de gravité quantique que je connaisse qui prédit des possibilités topologiques, sujet qui m'est cher parce que j'ai travaillé longtemps sur la topologie cosmique, qui propose une version naturelle de l'inflation et non pas arbitrairement mise avec des potentiels scalaires, un flaton mis à la main, et ainsi de suite. Voilà. Et puis la partie non commutative, c'est aussi tout à fait fascinant. On a un espace qui est discrétisé cette fois-ci. Il est non commutatif parce que la non commutativité introduit une discrétisation. Et il y a le modèle standard des particules avec également des corrections, notamment donc ça prédit le champ et les bosons de Higgs, mais ça prédit des oscillations de neutrinos qui ne sont pas incluses dans le modèle standard et tout un ensemble de choses. Donc le travail est encore en cours, évidemment, ce n'est pas achevé, mais pour moi je trouve que c'est l'approche la plus prometteuse. Je finirai enfin rapidement par cette hypothèse donc assez fascinante d'un avant Big Bang, dans la mesure où si en relativité générale classique, en remontant dans le passé, on se heurte à ces infinis, c'est-à-dire une singularité. La gravité quantique, la plupart des théories de gravité quantique éliminent la singularité, et donc il y a la possibilité d'un avant-Big Bang. On n'a pas de théorie évidemment bien établie, on n'a que des scénarios, on va dire. Alors, parmi tous les scénarios, l'un d'entre eux, c'est celui-là. Je le montre souvent en faisant la plaisanterie que ce n'est pas sponsorisé par les capsules Nespresso, parce que ça... Mais bon, voilà. Et donc, voilà, dans ce schéma-là, le Big Bang, il est là. Donc, vous voyez, ce n'est pas un début, c'est un rebond, une transition entre un univers antérieur, préexistant, qui s'effondrait. Mais au lieu de donner un Big Crunch, une singularité, ça rebondit. Et, le fameux Big Bang, c'est la théorie de la gravité quantique à boucle, par exemple. Et dans le rebond, les lois de la physique, les constantes fondamentales de la sont reprocessés et ça vous donne notre univers actuel. Donc on a un avant Big Bang. Bon, au point de vue, qu'est-ce qui se passe là, on n'en sait rien. On peut toujours reboucler ce genre de choses. Voilà. Bon, voilà un petit peu le genre de fantaisie à laquelle on peut s'amuser avec cette élimination des singularités et ces modèles d'avant Big Bang. Grand récapitulatif final, et vraiment, je vous assure que j'ai fini avec ça. Bon, je me suis amusé, c'est un petit peu arbitraire. Donc j'ai mis ici les cordes, la gravité à boucle, la géométrie non commutative, la gravité émergente. Je ne vous ai pas parlé des causettes, je ne vous ai pas parlé de la gravité sécurité asymptotique, j'ai dit un petit mot de réaction dynamique causale. Bref, après j'ai mis qu'est-ce qu'on a envie de faire. Pardon. Est-ce qu'on arrive à unifier les interactions? Est-ce qu'on discrétise l'espace-temps? Est-ce qu'on élimine les singularités? Est-ce qu'on résout le paradoxe de l'information électronoire? Est-ce qu'on donne une explication de l'énergie noire? Est-ce qu'on a des modèles d'avant Big Bang? Est-ce que ça prédit les multivers? Est-ce que ça prédit la topologie? Etc. etc. Quand ça marche, je mets une croix. Quand ça ne marche pas, je mets un tiré. Et quand on ne sait pas, parce que ça n'a pas encore été calculé, c'est trop difficile, j'ai mis un point d'interrogation. Donc vous regardez le bilan. Bon, bilan, c'est peut-être un petit peu... rapide de dire ça, mais finalement, c'est la colonne de la géométrie non commutative qui, pour l'instant, remplit le plus de cases. Donc, c'est pour ça que, entre autres,
mis à part cette idée effectivement d'utilisation de géométrie les plus élaborées pour faire de la physique, qui je considère que c'est une approche. Mais comme je l'ai dit, malheureusement, je peux inciter les jeunes ici qui voudraient se lancer dans les travaux. Hein, voilà. C'est l'approche techniquement la plus difficile, et donc bah, il faut se mettre au boulot, quoi. Hein, voilà. Bon, il est clair, je vous dis très honnêtement, hein, je fais un survol général de ces théories. Je n'ai pas pu aller dans les détails techniques d'entrée. Je vous ai dit qu'en fait, à rentrer dans les détails techniques de l'une seule théorie, c'est une vie entière de chercheur. Voilà. Bon, avec un petit peu d'expérience, là, vous finissez par voir les tenants, les aboutissants. Oh, ce sont les pieds. Ah oui, il marche, voilà. J'adore les anagrammes. Donc, vous connaissez peut-être Jacques Perisalco, qui est un génie de l'anagramme et bien autre chose, des jeux de mots extraordinaires. Voilà. Et donc, voilà. Donc, l'anagramme de la théorie des supercordes, c'est de la poussière d'orchestre. Voilà. J'aime bien ça parce qu'on a de la musique dedans, mais finalement, avec après 30 ans, 40 ans de travaux qui n'aboutissent à rien, il y a peut-être que la poussière qui reste. Bon, c'est un petit peu dur envers les cordistes, mais j'adore l'anagramme. Et puis, il a trouvé une anagramme encore plus invraisemblable, encore plus extraordinaire. Puis, il a même fait des trucs, bon, je n'ai pas le temps d'en parler, mais il a fait un palindrome absolument monumental qui va bien plus loin que le fameux palindrome de Pérec, mais enfin bon, je n'ai pas le temps d'en parler. Voici, c'est l'idée que, vous savez que dans beaucoup, j'ai fait allusion, dans la plupart des théories de gravité quantique, le vide quantique joue un rôle fondamental, c'est une sorte de substrat, c'est peut-être ça, je ne l'ai pas dit, mais la mer dont je parlais au début, hein, dont les événements sont l'écume des choses, pour certains, ça peut être simplement le vide quantique qui est là. Et tous les événements sont les manifestations de la turbulence du vide quantique. Hein. Alors voilà, donc l'anagramme, c'est ça. Le vide quantique reste la source réelle de l'espace-temps et de l'univers. Et voici l'anagramme fantastique, très poétique. Qu'est-ce que la Terre devant ces vallées supérieures de pétillement d'étoiles? Fantastique, hein, voilà. Et la dernière citation, ce n'est pas une anagramme, c'est une remarque que j'aime bien du roi Alphonse X le Sage, roi de Castille au XIIe siècle. Le Sage parce que... il a réuni les savants pour faire des tables astronomiques, qu'on appelle les tables alphonsines. Et donc, il travaillait sur les épicycles de Ptolémée. C'était très compliqué. Quand on lui a présenté le résultat du travail, il a dit « Si Dieu m'avait consulté avant de s'embarquer dans la création du monde, je lui aurais conseillé quelque chose de plus simple. » Alors, j'aime beaucoup ça. Même si je ne pense pas faire intervenir Dieu dans la création du monde, je me réjouis que ce soit compliqué et pas simple, parce que justement, c'est ce qui nous fait travailler, nous, les physiciens théoriciens. Voilà, j'ai fini. Alors, je ne sais pas si le prix me serait remis avant ou après. Donc, je vous ai mis la fameuse statue de l'Observatoire de Meudon que j'ai fréquenté pendant 35 ans de notre grand Jules Janssen. Et je vous remercie de m'avoir écouté. Jean-Pierre, pour cette conférence. Donc, on peut faire quelques questions simplement pour vous rappeler, si vous le désirez. Donc, un libraire est venu avec les ouvrages de Jean-Pierre Luminet et en particulier le dernier livre. Donc, en particulier, vous avez un mois pour le lire parce que le mois prochain, on fait une interrogation écrite. Et donc, vous avez la possibilité de poser des questions avant cette interrogation écrite. À vous. Voilà, oui. Deux, trois pas plus et j'essaierai de répondre rapidement. Oui. Contrairement à mes habitudes. Oui, bonsoir, donc merci. Je voulais vous poser une question parce que j'ai vu apparaître l'inflation naturelle dans le modèle de non-commutative. Hein, donc, et je sais que je crois savoir que vous n'êtes pas très fan des modèles d'inflation plus classiques. Hein. Je voulais savoir quelle était la différence entre l'inflation naturelle et les autres inflations que vous n'aimez pas trop.
Non, mais oui, alors, on ne peut pas du tout rentrer dans des détails techniques que je ne maîtrise même pas d'ailleurs. Simplement, une phase de dilatation extrêmement rapide, type exponentielle, qui est caractéristique de ce qu'on appelle les phases d'inflation, elle découle dans le modèle géométrique non commutatif, justement de la phase non commutative, l'univers initial, le très jeune univers, serait en fait entièrement non commutatif. Je vous ai montré une décomposition qui représenterait l'univers d'aujourd'hui, avec une partie non commutative et une partie commutative. Dans les développements, il semblerait que l'univers primordial puisse être totalement non commutatif. Et c'est le passage de la non commutativité à une partie commutative qui engendre à une phase inflatoire. Thion ? Vous avez tout compris, oui, c'est alors, génial. Je viens avec le micro. Mais... Merci. Par rapport à la dernière approche que vous avez présentée, est-ce qu'on a déjà des idées de, comment dire, de prédictions testables avec nos moyens actuels voilà. Des prédictions comment dire, exclusives non, là, à votre ce modèle question, testable. C'est, est-ce qu'on a des vous parlez des prédictions de cette théorie en général ou d'une en particulier de la non commutative. De la gravité non commutative. Ah, de la géométrie non commutative. Non, pour l'instant, elle ne fait que retrouver les modèles standards, ce qui est pas mal, avec des corrections qui sont souhaitables. Mais bon, donc ça reste, on va dire que ça reste compatible avec des observations, mais elle ne fait pas, à ce que je sache, hein, je ne suis pas tout le temps à toutes ces choses-là, elle ne fait pas, à ce que je sache, de prédictions particulières et spécifiques qui permettraient effectivement de dire on est sur la bonne voie ou pas. Merci. Voilà. Troisième et dernière question. Vous avez parlé tout à l'heure du champ de Higgs. La masse, c'est l'interaction. Enfin, le champ de Higgs, c'est l'interaction entre la masse et les particules. La masse, c'est l'interaction entre l'espace-temps, plutôt le champ de gravité, c'est l'interaction entre l'espace-temps et la masse. Est-ce qu'il n'y aurait pas une interaction entre ces deux champs, champ de Higgs et champ de gravité ? Le champ de Higgs a été introduit, comme vous le savez, pour expliquer la masse non nulle. Des particules élémentaires et cette masse qui sera en fait un effet d'inertie résulterait d'une sorte de frottement de particules initialement qui auraient tout au départ une masse nulle, de frottement avec ce champ de Higgs qui est analogue à un état du vide quantique particulier, et c'est ça qui donnerait la masse aux particules. Alors à répondre de façon très pertinente à votre question, mais à partir du moment où il y a de la masse et où il y a de l'inertie qui est créée avec ce frottement, il y a forcément un lien avec le champ gravitationnel. Mais franchement, je ne peux pas en dire plus. Dans la GNC, il reste combien de paramètres inexpliqués dans le modèle standard ? J'ai pas compris. Dans la géométrie non commutative, oui. Il reste combien de paramètres non expliqués sur les 20 ? Il y a combien de paramètres libres dans la géométrie non commutative ? Sur le standard ? Je n'en sais rien. Il faut avoir l'honnêteté de répondre. Des fois, je n'en sais rien. Et Jean-Pierre, la dernière question, bien sûr. Je pense toujours aux astronomes amateurs qui peuvent observer le ciel. Et là, tu nous as reparlé des trous blancs et de Carlo Rovelli. Oui. Quelle pourrait être la signature qu'on pourrait chercher dans le ciel ? Signature, je ne sais pas, spectrale, dans quelle longueur d'onde ? Quelle réponse temporelle ? Comment pourrait... Alors, je ne suis pas sûr que ce type de signature, parce qu'ils ont tenté, effectivement, Carlo et ses collaborateurs, là, Vidotto, etc., ils ont tenté de faire une prédiction astronomique, c'est-à-dire un phénomène observable, à travers une interprétation, je le crains, ne marche pas. Enfin bon,
tout cas, c'est une tentative, ce qu'on appelle des fast radio bursts. Les FRB, bien sûr. Bon, c'est, je ne suis pas sûr que ce soit accessible à l'astronomie amateur, mais donc il y a effectivement des éruptions radio qu'on appelle les fast radio bursts qui ont posé, qui ont surpris. Et au départ, comme on ne savait pas trop, les théoriciens, libre invention, ont imaginé différents processus, dont celui-là. Puis après, il y a d'autres, j'en parle de façon plus détaillée dans le livre, il y a effectivement d'autres phases radio bursts, il y en a un catalogue maintenant, et certaines phases radio bursts finissent par s'interpréter par des phénomènes normaux, des phénomènes habituels. Bon. Parfait, merci beaucoup Jean-Pierre, beaucoup de compliments sur YouTube. Voilà, il y avait, merci, et il y avait encore quelques questions sur YouTube, mais j'invite les personnes à participer aux réunions de la commission cosmologie, ce serait plus approprié. Et puis donc, rendez-vous le mois prochain, et voilà, et si vous voulez une dédicace de Jean-Pierre, c'est le moment. Bonne soirée à tous, merci de votre attention. Super. Bravo.